Alors, après avoir lu un petit documentaire sur les pandas, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la vie des lapins. Donc, je vais vous lire un petit documentaire, lire quelques pages, je ne le lis pas en entier, puis je vous pose des questions à la fin auxquelles vous devrez répondre. C'est parti. Maman lapin a patienté un mois et enfin ses petits sont là. Comme ils sont nés tout nus, elle leur a fabriqué un nid très douillet avec ses poils. Bien au chaud, les uns contre les autres, ces bébés passent presque tout leur temps à dormir. Quand ils ont faim, ils têtent, puis ils se rendorment. Alors dites-moi, vous avez bien écouté, je vous demande combien de temps le petit bébé reste dans le ventre de la maman lapin. Oui, pendant un mois, contrairement à vous qui êtes resté normalement dans le ventre de votre maman pendant 9 mois. Comment naissent les petits lapins? Sont-ils avec des poils ou tout nus? Tout nus, ils n'ont rien sur leur peau. La peau est toute nue. Et d'ailleurs, pour ne pas prendre froid. Avec quoi la maman lapin fabrique-t-elle leur nid? Et oui, avec ses propres poils à elle. C'est tout douillet, très confortable. Quelle est l'activité favorite des petits lapins? Et oui, dormir. Comme les bébés des mamans. Ils dorment, ils mangent, ils dorment, mais ils crient aussi. Allez, on se voit bientôt pour la suite.